Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin la tête de liste UMP pour les régionales en Ile-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Faut-il porter secours, donc débloquer des moyens à ces migrants qui cherchent à traverser la Méditerranée et qui souvent, femme ou enfants, trouvent la mort lors de cette tentative D'abord, il faut dire qu'on est totalement bouleversé par ce qui se passe depuis, depuis quelques semaines et surtout on se rend compte en qu en fait ça fait des mois et des mois que ça dure et des mois et des mois que, des mois que finalement appelle au secours des mois et des mois que finalement l'Europe est muette et que la France aurait peut-être dû prendre plus le leadership aujourd'hui. Moi je pense qu'à court, court terme, il faut effectivement augmenter les moyens de Frontex pour éviter tout simplement que, que la Méditerranée devienne un grand cimetière. Mais après, à, à moyen ouais. terme et à long terme, on voit bien ah, que c'est oui. pas la solution. Mmh. La solution n'est pas celle de d'accueillir en France tous les migrants qui viennent parce qu'en réalité on est déjà engorgé. Ah. Vous avez vu les les, les rapports sur euh, les demandeurs d'asile, sur l'hébergement d'urgence, sur les dépenses sociales. À moyen ou long terme, je ne sais pas, mais tout de suite quand on secourt ces migrants, ensuite on n'imagine pas qu'on les renverra en Syrie, en Irak, en Nigeria, Il en faut il faut qu'on commence. Donc on est obligé de les accueillir. Aussi. Il faut qu'on commence. C'est ce que nous faisons. Il faut qu'on commence aussi à organiser le retour. Et moi je crois qu'il faut que nous travaillions à conditionner les aides avec les pays d'origine de de ces migrants pour qu'ils acceptent Syrie, de les reprendre. Irak. Surtout Érythrée, Nigeria. Mais que vous Difficile. Hein. Bien entendu. Et il faut aussi Ça travailler. Ça ne bouleverse pas les, les il faut discours qui sur l'immigration, sur ces, sur ces réalités humaines auxquelles on a du mal à faire face. Ça ne les bouleverse pas. Ça n'obligerait pas les responsables politiques, dont vous, Valérie Pécresse, à réviser les discours. Écoutez, Jean-Michel Apathy, j'ai été la première à me rendre en Irak dans les camps de réfugiés en août. Donc je peux vous dire que la détresse de ces populations qui sont juste chassées de chez elles, soit par la misère, soit par des régimes barbares, nous émeut tous et nous étreint tous. Le problème, c'est simple, c'est qu'il faut qu'ils aient le droit de rentrer chez eux et de vivre décemment chez eux. Parce qu'on n'arrivera pas à résoudre les problèmes en les accueillant tous. Et au contraire, qu'est-ce qu'on va créer On va créer ce qui existe aujourd'hui, des bidonvilles à nos portes, on va créer de la misère endémique en France. Et donc, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on aide le co-développement. Ça, c'est du très long terme. Et à court terme, je pense qu'il faut que nous soyons inflexibles sur les passeurs. Et peut-être qu'il faut organiser ce que Matteo Renzi souhaite, c'est-à-dire des, des opérations coup de poing contre les passeurs. L'Assemblée nationale étudie actuellement une loi sur le renseignement pour lutter, nous dit-on, ou pour mieux lutter contre le terrorisme. votez vous cette loi, Valérie Pécresse cette loi, elle est utile. Euh, et nous avons, dans le débat, euh, apporté un certain nombre de garde-fous supplémentaires qui, là aussi, euh, étaient nécessaires. Je pense, par exemple, à la présence de l'opposition, quel que soit le gouvernement, dans la commission de contrôle des futures, des futures euh, écoutes Internet, enfin mm -hmm. des futurs contrôles des Internet. Captation de données. Captation de données, exactement. Mm -hmm. euh, moi, je voterai cette loi, je la voterai, mais. J'avais l'intention de saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il ah, en garantisse. C'est plus la peine. Avec un certain nombre de mes collègues, le président de la République, de ce point de vue, a fait, me semble-t-il, un acte juste. Il faut absolument dimanche, oui. que le Conseil constitutionnel puisse se saisir de cette loi. Ce que je voulais... Bon, une euh, opposition qui vote un projet puis, de loi du gouvernement, ce n'est pas fréquent. Donc, non, vous, vous le ferez... C'est une opposition faire... personnelle ou c'est une opposition dont vous pensez qu'elle sera collectivement question, celle du groupe UMP C'est une question de cohérence personnelle. Moi, je pense que nous avons besoin de davantage de protection. Je pense aussi qu'il fallait donner un cadre légal et surveiller à des pratiques des services de renseignement qui jusqu'à présent n'étaient pas du tout encadrées. Et ce que je souhaite, c'est une clause de revoyure, une clause de revoyure tous les deux ans pour qu'on vérifie qu'il n'y a pas de dérive dans l'utilisation de cette loi. Ça le climat à l'UMP, on peut le dire, Valérie Pécresse, François Fillon dit, enfin il dénonce plutôt les intimidations dont il est l'objet, de la part de Nicolas Sarkozy c'est sous-entendu, les crocs de boucher sont ressortis à l'UMP non soyons, non, soyons, soyons, ça, zen. Prima, La ah, primaire, la aimé. primaire, on la primaire, toujours, la, primaire, primaire la primaire est à l'horizon. La primaire est à l'horizon. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, oui. c'est surtout que l'UMP soit fortement rassemblée. Vous l'avez dit, je suis engagée dans un combat euh, régional pour une alternance euh, régionale. On a euh, des, j'allais des, des élections. De france, hein, oui, en Ile de féliciter. france pardon, voilà. en ile de france mais voilà. on a des élections voilà. euh, dans tout, dans toutes les régions avec des, des combats qui ne sont pas négligeables. Puisque certains auront peut-être lieu contre Marine Le. Pen, Contre Marion Maréchal-Le Pen, contre des grandes figures de la gauche. Je pense qu'aujourd'hui, le mot d'ordre, ça doit être rassemblement et ça doit être idée-projet et on doit être constructif. Le monde est beau quand il est décrit comme vous le faites. Mais la il mais sera la beau en Île-de-France, monsieur Bapty. Regardez, j'ai été désigné à l'unanimité de la commission d'investiture. Ça arrive. Bon, mais je vous en félicite, mais la réalité a quand même l'air de. C'est pas l'amitié, la Concorde qui ont l'air de régner à l'UMP. Il y a des ambitions personnelles et les ambitions. C'est un peu le tout sauf Sarkozy, on peut le lire comme ça Non, pas du tout. Non, hein écoutez, moi. Ce ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui nous sommes tous autour de la table et on se parle et on débat et on vote et, et on s'est mis d'accord sur l'organisation des primaires. on s'est mis d'accord tranquillement alors je sais que ça déçoit un peu les commentateurs alors, à l'ump ils se sont ah, mis d'accord tranquillement sur l'organisation d'un débat entre eux pour départager les candidats pour des tard. primaires. Honnêtes. Ce seront des primaires honnêtes, ce sont des primaires contrôlées, ce sont des primaires voulues et désirées. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on se mette au travail tout de suite sur le terrain des idées. De ce point de vue, François Fillon a lui-même pris un temps d'avance puisqu'il a déjà annoncé, a avancé un certain nombre d'idées. Moi, je souhaite que tous les futurs candidats à la primaire participent à ce débat d'idées à l'UMP, puis participent à la refondation du parti, puisque vous savez que nous changeons de nom, donc changeons de Alors Vous avez peut-être des informations juste avant. Vous savez qui vous soutiendrez vous lors de cette primaire de l'UMP Non, c'est beaucoup trop. Pour le dire, ce que je sais simplement. Vous avez été ce... engagé auprès de François Fillon, mais visiblement. Euh... Qu'est-ce qu y a <laughs> M. fait ça Mais non, ce n'est pas du tout le problème. Le ouais. problème, c'est qu'on n'est pas en 2017. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en ah oui, 2017, que mes mais idées. C'est 2016 d'ailleurs. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison de me rectifier. Ça va venir beaucoup plus vite que je ne le pense. Non, euh, 2016, c'est loin. Et le sujet, c'est est-ce que mes idées seront représentées Et aujourd'hui, mes idées, c'est celles des réformes nécessaires et des réformes qui soient des réformes vraiment radicales. Par exemple, j'ai écouté François Hollande euh, dimanche, moi je pense qu'il faut qu'on change de logiciel, il faut qu'on passe d'une logique où le travail paye et qu'on arrête la logique d'allocation. Euh, si on augmentait les salaires directs au lieu de demander aux jeunes d'aller chercher un chèque à la cave, pour moi, ce serait la vraie révolution. Alors, et ces si révolutions-là, ce sera... oui. ben, révolutions il faudra qu'elles soient portées par le candidat que je soutiendrai. Ce sera quoi le nouveau nom de l'UMP alors Écoutez, on va voter. Mmh. Nous, on est démocratique. On va voter. Euh, moi, je vais vous dire, ce, ce mot des républicains, euh, ça me fait penser à une chose. C'est que quand j'ai commencé la politique, je me suis engagé dans un parti qui s'appelait le Rassemblement pour la République. Mmh. Donc, euh, ça ne me gêne pas de me réclamer de la République. Mais ça veut dire que vos adversaires ne sont pas républicains. Non mais d'ailleurs le Parti républicain euh, de, euh, de, de. Non, le Parti républicain de Monsieur Drobien, de Monsieur, de Monsieur Léotard, il s'appelait Parti républicain. On n'a jamais dit que les autres n'étaient pas républicains. Mmh, hein. Les républicains, les... c'est pas parti républicain, c'est les républicains, c'est-à-dire euh, on est la république, quoi. Mais non, pas non. du tout. Euh, D'ailleurs, regardez les affiches de François Mitterrand qu'un qu de vos collègues a, a retrouvées, qui s'appelait ⁇ Voter pour les républicains ⁇ Et François Mitterrand, à ce moment-là, se réclamait lui aussi la République. Je crois que la République n'appartient à personne, mais je crois que c'est beau d'être le parti de la République. Allez, on va finir sur une image de beauté. Valérie Pécresse était l'invité RTL ce matin.